Qu'est-ce que tu fais là? T'as viens. Non, pas ici, c'est pas possible. Oh, mais pourquoi? Mais tu cries trop fort, tu le sais bien. Déshabite, toi. Dans ce cas, éteins la lumière. Pourquoi? Parce que je suis pas encore guérie. En effet, tu es mieux faite pour l'amour que pour jouer à la guerre. Comment me trouvez-vous, Raphaël? Sinistre. C'est un chapeau légèrement efféminé. Oh, excellence. C'était l'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis? Et alors, c'est le quatrième ambassadeur qu'on arrête? Le résultat, c'est qu'ils bombardent leurs propres troupes au moins une fois par semaine. Mais non, madame. S'ils bombardent leurs propres troupes, c'est qu'ils ont leur raison. Vous avez besoin d'un jardinier, n'est-ce pas? Oui, en effet. Oui. Alors voilà, je sollicite ce poste. Enfin, monseigneur... Vous... Ne vous étonnez pas, chère madame. Vous savez, l'Église a beaucoup changé. Nous, vous savez, nous ne sommes pas contre les étudiants. Au contraire. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez une chambre envahie par les mouches? Vous prenez une tapette et pam, pam. Plus de mouches. J'ai lu que Miranda détient le record du monde du nombre d'homicides par tête d'habitants. Est-ce vrai? Non, colonel. Vous vous trompez. Pas du tout. Il paraît qu'on tue pour un oui, pour un non, gratuitement. Ça se passait à l'époque où la police, elle essayait à toute force de se faire aimer par la population. Enfin, tu te rappelles? Vous devez les relâcher immédiatement. Mais enfin, commissaire, on n'arrête pas les gens comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, embarquez-moi tout ça. Mais enfin... Allez. Relâchez vos prisonniers et ne cherchez pas à savoir pourquoi.